Gari Koni, ansyen premier-ministre sous Joseph Michel Mateli, a 2011, Gari Koni, kote sitwany sa soti, ki es liye pou ki sa se li? Jodiyan, se 29 May 2024, dosi yo chok nan aktualite politik korompi volo kriminel gang, qui n'en paye actuellement là présidentielle, présidentiel cette traite plus 2, traites fait neuf traites là yo décidé définitivement pour finir tête sous scène politique là on va l'expliquer Mais comme moi toujours dis en Haïti depuis en 1990 1991 pas de politique qui fait en Haïti mais on commence à établir le système c'est après le départ de Jean-Claude Duvalier, en 1986. Pas politique, ki fait. La, yu, an. An de politique qui font. C'est la haine qui exprime, c'est le vol qui est le plus criminel, qui n'est pas sérieux, c'est l'église qui a un chef en Haïti. Le bien, le système n'est pas fait pour. Et toute façon qu'on vit en Haïtien ou après le système même pas parle des gens de bien. Ils parlent de nouvelles têtes, ils parlent de gens qui ne sont pas formés, ils parlent de pa gens qui ne sont pas contrôle. C'est criminel, c'est vagabond, c'est voyou, c'est volé. Le système n'a monté comme ça. Actuellement, le système n'a gué 38 ans d'existence. Et c'est 38 ans à succès. Gol tout partout. Par contre, combien a mené à zéro sur nous-mêmes comme peuple Hier, nous jouait en pile, les amis. Alors, hier soir. En pile en pile zami, y'a voyé message pour nous, tout pas si par là, Koni parle, tout ceci, si, tout cela. Et, m'gade, m'bretam, m'bretam, pour mal contre qui est-ce qui gary koni, parce que m'pas contre Gary koni. Non. 2011, 2011, justement, nous, tout le monde est dans le premier ministre de Haïti, m'de contre le tout, m'pas contre qui est-ce qui gary koni. Mais il y a soin de temps pour faire une recherche sur Gary Kony. Je ben vais commencer par mettre M. écran. Voilà, nous avons. Et talent, talent, talent. Ok. Voilà. Je ben vais commencer à mettre M. Souékor. Et Gary Kony, je ne sais pas si je dis tout. Mais regardez pour nous. M. a qui est extrêmement dans les Nations Unies depuis un bon bout de temps. Et son type qui forme tout. Je ne pas, monsieur. Même Abdi, nous même qui sommes dans la diaspora, je dis, c'est une raison pour que nous préparions davantage. Il faut nous comprendre. Dans quel niveau que nous avec femme femmes qui font politique en Haïti et les oligarques corrompus, nous problème avec les Haïtiens qui ont l'amour pour Haïti, Haïtiens qui c'est haïtiens ou américain, haïtien canadien, haïtien français, qui gueulent pour Haïti, qui ont envie de rentrer dans la politique Haïti. Est-ce que nous pas toujours, ouais, nous mettons balise sous toute forme pour ne pas rentrer Oui. C'est parce que tout simplement, vous avez une volonté manifeste pour qu'on vienne faire des bagailles réelles en Haïti. Eh bien, de de sais pas, vous pas besoin, yo dans les politique en Haïti. Est-ce que nous pas toujours, ouais? Des gros palto, gros babine, gros collet, gros ventes. Quand sorti dans la diaspora, qui ça a fait Il y a le premier ministre en Haïti. Mais maintenant, est-ce que c'est moun qui pour me critiquer Non. Moi-même, je ne critique pas Koni. Je ne suis pas contre Garri Koni. Je m'en dis très bien. Je ne suis pas là pour agir contre lui. Mais je cherche le côté de la sortie. Et pour apprendre exactement dans qui sont eux comme peuple. Moi-même, Garri Koni, ça intéresser même dans le rêve. Mbakoutmise ni yon Monsieur ni yon peti. Mais sauf que ça sa qui est important pour nous, sont preuve à clair qui montre que, depuis un homme ou, ou pas fave en faveur d'Haïti, alors pas travail en faveur d'Haïti et en faveur des Haïtiens, c'est ou même comme meilleur profil qui peut déranger les oligarques corrompus et la classe politique traditionnelle haïtienne. Jodi c'est c'est 29 mai 2024. oublier. Nous, en direct, de bien, nous, ensemble avec vous sous la plateforme YouTube Maman Pembar, plateforme Peyepote, la plateforme qui est Papa qui est plateforme YouTube Info Bertoua. Nous, avec Zamiou, ok, ça vit pas ou, n'est-ce petit paysan? Est-ce que c'est Gary Kony qui est criminel là? Pour moi, non. Gary n'est pas intéressé même dans le rêve. Mais Gary Kony, lui montrer à clair est que la classe politique traditionnelle haïtienne depuis on n'a pas pensé avec douleur misère calamité souffrance peuple haïtien c'est ou même comme profil qui est capable de venir dirigeant pays ça maintenant tout le monde dit que Gary Kony, c'est jouet blanc mes amis si nous si dit non Gary pas blanc franchement là parler non, je ne pas me faire Pour ça, je ne venu me donne venir dire Gary Gary nous faisons une zone Calalo. Monsieur, c'est proche. Il a un ancien président américain. Ah oui, c'est proche. Et c'est une raison qui cause. Ou au Gary Coni en 2011, sur ma télé. C'était sollicitation. C'était... Debataille comme ça. Mais je ma dis nous ça très bien. Ce n'est pas ça qui est intéressant pour moi toujours. Ce qui est intéressant pour moi, c'est les monde qui soit disant leader politique là, avec journalistes journaliste traditionnel là, qui faut qu'on que leader politique là lui-même, les bon a une qu'il la en faveur pays pays. Qui côté, qui leur, qui boit. Je vais ça très bien. Il une raison qui cause une position qui est claire. Dans ce qui est pour eux, avec ingérence gros pays dans les affaires politiques internes pays d'Haïti, il y a une, une position qui est claire. Je dis que critiquer le pays pas rien pour moi parce qu'il n'a pas porté résultat pour moi. Ça qui a porté résultat pour moi, c'est le côté visé qui s'est démantèlement total capital, dégapissement total capital, la classe politique traditionnelle haïtienne qui s'est boit exécutant, boit qui a exécuté tout plan, toute manœuvre qui a détruit Haïti. Moi, songe songeais... Nous avons partagé tout ça ensemble avec nous. Le secrétaire d'État américain, qui c'est M. Anthony Blinken, M. Teddi, dit de vos trucs pendant le processus, carré comme ça. M. font tweet pour le dire. Se c'est le seul peuple haïtien qui est capable. Et puis là, le plus loin. Oui. C'est le seul peuple haïtien qui t'a doué. Déterminer propre avenir lui. pour l'avancer. les dit personne l'autre monde pa la ta doit faire n'a parlé en ta en ta en ta mais ces déclarations you tweet dans you tweet que yon diplomate chevronné yon madré politique qui relait Anthony Blinken fait n'a va comprendre qui t'es avancer toujours monsieur dit clairement mais nous tous qui là, les États-Unis, comme à Claude Patne, nous sommes capables d'aider. Nous sommes capables d'aider. dit nous jusqu'à la preuve du contraire. Nous des blancs, oui, il existe. Nous des blancs qui sont toujours dans le pour faire pression. Pour imposer choix qui n'a avantage Mais je dis ça très bien. Les oligarques corrompus qui en Haïti tellement fait l'argent avec facilité et en quantité, ils ont l'argent pour influencer toute qualité de décision qu'ils en Haïti. Et ma petite dis, ça, aujourd'hui, dis, fait nous pour mettre ou dans cas de lumière. Bon, avancer... Les oligarques corrompus n'ont jamais joué je perdu. Kou Puis qu'on oligarques corrompus en jusqu'à maintenant, la bretel, pa ka ka piel, Moïse, le pas quand couper sous pied c'est assassinat crapuleux qui fait que on fait sous président Jovenel Moïse que on pas pensé après l'assassinat du président ça et que vous tape en difficulté gen en difficulté sans que la justice haïtienne pas permettre mandat pour arrêter sans que la police nationale d'Haïti pas chercher yo sans que pas un monde qui va le monter à venir chercher est-ce que boulos de d'ailleurs oui, vous le saurez d'ailleurs, parce que nous-mêmes dans les médias en ligne, nous disons que le jour où nous pour nous pour ne pas parler de, de dossier assassinat, de la Moïse, il faut que nous tous disparaissons dans le monde. Ça veut dire que nous disparaissons, catégoriquement, nous pas exister même. Parce que nous n'avons pas le droit d'assassiner nos présidents. Dans les affaires politiques, tout le monde connaît son jeu d'intérêt. Mais en Haïti, quand il s'agit intérêts, c'est intérêt personnel, ce n'est pas collectif là, non c'est très chaque vagabond, chaque qui volé. Mais je dis nous que que l'on a fait une bataille politique contre le gouvernement ou il a a une façon, comme en Haïti, manifestation, fréquence de manifestation capable, river à travers les élections, je nous compromis entre nous pour nous jeter. Gouvernement ça, nous ne pouvons pas faire, nous décider pour nous rentrer dans le champ du président de la République, pour nous river, pour nous foutre 12 balles, nous foutrer 3 balles dans la tête, 9 balles dans le cœur. Et puis nous prenons masse nous encore, nous craser sol en poudre, nous démolissons, nous décapitons nous dépalotelons, et puis nous pensons que nous même comme être humain, comme jeune garçon haïtien, comme petit paysan, nous pensons que nous devons cautionner ça, nous pensons que nous allons tolérer nous pensons nous allons vivre avec ça, nous, nous pensons que nous devons venir derrière ça devant la caméra ça, pour me camper, pour faire semblant comme quoi que le pays m'a bien marché après l'assassinat le président. Sous qui base Quel que soit Josaïe, Ou devons être cohérent moi-même ma moindre bataille, nos façon nos façon que ma bataille là, avec transparence. On ne nous pas doit pas passer devant. Je n'ai pas besoin d'amis. Des fois, seuls amis que je été ouais qui a fait politique pas moi. Par contre, politique, pas politique. Mais même, c'est de l'homme. Si vous parlez de démocrate ou bien républicain, dans dans un fait politique ici, qu'on mon tout dire, c'est républicain en clair. Parce que pas passe ma quatre chemins pour me fondre en deux On braille fondre ma de ma Mbanon ça vaut m'a pas dans sa même pas passer de diplomatie stratégiquement parlant passer pas quatre chemins, non n'a prale sous nous du mon chou trop de sous de nous n'a privé sous n'a privé sous ou banne pays ou banne pays et comme ça madame n'a de paroles et ceci c'est non haïti jeudi démocrate là tel bagage ba problème c'est stratégie c'est c'est formule démocrate là mais reformule républicain c'est comme ça yo 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 je définis directement droit obie et 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 véridiquement parlant et ben moi même on sait que nous n'avons pas républiqué dans le pays d'Haïti. Parce qu'il n'y a pas ces quatre chemins. On ne peut pas parler avec langue des bois. On est dans le milieu. On avance. Là, nous arrivons au niveau où nous assassinons un chef d'État. C'est-à-dire que nous coupons le pont avec tout le monde. Si vous faites mal, nous le code de l'État. Nous détournons l'argent pour gérer. Comme projet, si vous coupez le pont avec tout le monde des biens qui est gagné dans le château. Parce que où ces criminels, si vous arrivez, ou, ou pas peur. Pa, que nous pour aller dans l'histoire que ça pour aller dans l'histoire ne à jamais assassinat y un chef d'État en fonction qui comptait en de la caille et mon chemin pas bon aussi ou bien assez de grain ne boudeur et mon passeport il n'en reste pas malheureux et toutes négures toutes négrières qui partent bien mettent toujours son pour seul projet qui c'est assassinat président Joseph Moïse. comment mène rate comme si on était comme si moins comme négandéo comme petit paysan mal campé m'accepte même tous les gens de Baresayo même dans rêve pas plus chiant moins ça donc après toute bagarre nette, nous pas qu'à faire Mohamed parce que moi comprends nous, moi comment nous fonctionner et ben moi, nous connait que je pour battre avec nous. On m'a dit Miami. Dans Brickell Avenue, Downtown Miami. Boule sous l'école toujours en Floride là. Matelit dans Miami. OK nous connaissons là, son seuls. E pou yo mote komando gang yo, paske menm jow fe la iti ya, mote gang galin, mote kat pakat, mote gang tisila, vin touye moun, mote rezo gang nou na Etasun etou, pou nou mache touye haisyen, kap kritike nou kom vole. Dimi di vò kon mote rezo kidnap ou, nan Miami, Florida, pou al touye haisyen, kap kritike nou kom vole. Ke mate li mote rezo kidnap el tou, pou al touye haisyen, kap kritike nou kom vole. Kom se aksyon nou sa, kom se pratik nou sa debi lontan. Man si volo kote nou ye. Man teoris kote nou ye. Ok ?

et je ne suis pas capable invité moi vraiment mais je ne suis pas capable présent j'ai trois heures de temps qui est obligatoire pour que je me baille à côté je n'ai pas trois heures de temps pour me mettre côté il faut me et bien dans le ça là j'ai obligé pour que je me mette à côté je me mette dans côté cas petit mais pas à monter je me mette à encore une fois ma réitéré ma position claire avant que je rentre en dans gros bout ton émission ça moi même personnellement été attaché avec l'idéologie commande Guy Philippe là moi attaché avec l'idée révolution pour libération pays d'Haïti 2024 là a en pile progression qui fait progrès qui fait nous progresser en pile nous avancer peut-être ou même au résultat concret qu'on ouais, parce que naturellement vous ta supposé work ma chaîne dans pays d'Haïti Effectivement, mais je dis qu'on que dans bataille contre un système qui est établi depuis plus de 200 ans, qui pousse racines, qui pousse les cones, fin rachait Jean-Claude Duvalier sous pouvoir ouvrir l'allée aller en 1986. Ils ont établi pays le pays directement, qu'on a dit que le pape Jam Gehmoun débinait dans pays, le pape qui avec le peuple, qui a une popularité du peuple, ils ont fait un si coup d'état en 1991. Ils ont dit que le pape quittait le pouvoir parce qu'il avait trop de légitimité. Nous allons fonctionner dans le coquet parce que nous allons fonctionner dans le compromis. Dans la politique, à partir de maintenant, le SAO ne pas passer avec le peuple encore parce que pas le avons est qui a poids qui est le aller, négocier, mais après c'est ce qui a mis ou pas, penser pour le peuple. C'est à partir de maintenant le pays a commencé à dérailler complètement. Il a déraillé il a fait bas complètement, mais c'est des hommes et des femmes qui ont l'oligarchie corrompue, qui ont la politique corrompue, criminelle, assassinée, qui ont fait tout le mouvement. Aristide, première version, c'est un pire bon président qu'on a gagné qu okay? dans le pays d'Haïti. Il y a douleur, il y a goût, il y misère, il y a une calamité, ce importance éducation. Il y a de l'église. Ça veut dire que vous avez pas là, que le peuple bénéficie. Mais sauf que Aristide, prend prend nos Monsieur, laissez au prendre nos pièges. Des gens qui ont frappé politiquement à travers le coup d'État

Quelqu'un a sa quoi faire, des bouquins pour de même si vous n'avez pas le président, vous n'avez pas la il faut que vous c'est le président qui C'est ça que vous avez Aristide. Et là, tu moun à la seconde. Vous n'avez pas qu'à poser la question. Parti a la première journée, il y a tout le monde, il n'y a pas qu'à arrêter. C'était ça que vous Aristide avec Aristide. OK Et bien, naturellement, je dit nous que Aristide, qui vient comme vagabond, comme vicieux, comme voleur, c'est Aristide qui a écrasé la médaille en 1994. OK 1994, Aristide prend décision pour le débarquer dans le pays avec plus de et, 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 20 000 marines américains. Vous comprenez le président et, 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 Bill Clinton Bali, okay? il y a débarqué dans le pays, et puis il a fait ça pour faire, et puis après ça, Haïti a effondré, a déffondré, Aristide vient volant en pile, la riche, la volonté, la riche, comme si, et puis Haïti a disparu. Dispa, mais je dis, mais Haïti. Et pour parler ça en Haïti ou à mourir y a tout par tous les moyens il y a tout n'importe qui j'ai tout yon. parce que juge là qui est habilité pour le temps de dossier pour le préparer dossier assassinat pour le faire diversion commissaire gouvernement attend pour un vieux constat avec juge de paix pour faire diversion la police a une mesure de de CPJ ou oui quand tu te caches comprends pour faire diversion t'as passé mon mourir ou mourir net ça cause moi dit monta comme pour me tourner Haïti Conseil des bon Dieu dans le ciel là qu'on faut qu'il va exister. Le ciel, le Saint Esprit, toutes les forces de la nature justement qu'on est que naturellement que des mouns qui naturellement doivent porter à aller suspendre faire respirer suspendre quitter respirer faire suspendre respirer parce que comme si ça a respiré comme les langues espace que a évolué entourage comme si pas que mon de monde bien ça veut C'est-à-dire que des Mounes naturellement bon Dieu dans le ciel là bon Dieu tout pouvoir bon Dieu tout puissant deux faire comme fait comment c'est fait ce truc? Accident. Les hommes font tête tétio. Fait madame yo fout le poison. Fait ami fout le poison. Fait un pété yo, Fait au dans la rue. Comme si qu'on ça où on a fusé l'autre. Bon dieu d'où faire un bagarre pété entre yo. Les coquins criminels assassins gang domestiques et puis pour capable organiser ou là pour détruire une lot. Laisse à nous même. Ça criminel fait criminel. J'ai beau dire toujours d'ici les hommes moun de bien avari. Ok? Eh ben, ben moi je nous pays qui ça bagarre là. -y? Mais ces dames qui lèvent cette tête, alors tout d'abord, alors moi profiter et saluez-nous. Je vous dis bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendant, de côté qui que vous avez nous nous Encore une fois, c'est un plaisir pour moi, pour que je me souvienne nous. Sur la plateforme pano qui la plateforme YouTube Maman Peba, la plateforme PPT, la plateforme qui est Pachaïla, la plateforme qui dit Abdi la plateforme qui coin la vérité, la plateforme qui coin la bataille pays, la plateforme qui croit que c'est avec lui, qui nous entamé là. Sur plateforme, ça depuis plus de 33 mois. Qui n'a pas capable de libérer le pays. ça go tuer Madoval, pas j'en ça. Ne go tuer Antoinette Duclair, pas j'en ça. N'a go tuer un pil moun de biens dans port au pas j'en ça. Ne assassiner Eric Jean-Baptiste, pas j'en ça. Ne a tué Daniel Koukoua, président Jovenel Moïse, pas j'en ça, parce que ça y est extrêmement important. L'on tout touillé Eric Jean-Baptiste, oh monsieur le ciel, le Saint-Esprit. Lorsque tu es Erich Baptiste, ou trouve un conséquent, ou trouve nationaliste, ou trouve petit pays, ou patriote conséquent. Et même Samy et Baptiste, même n'a quitté même mon compel, pas kap cap 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 lumière cap 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 parce que système cap depuis le cap cap manjou, cap 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 le cap cap Petit tout avattende, parce que assassin au mal, ou t'a prendre pris un pays en service, moi en pile côté, en pile pays, vous voyant pile bagaille pour moi ou t'es créé un pile job, ou t'a as investi dans le pays. Mais Eric, Eric, tu trop droit pour négocier qui est dans le système. Dans la négociation politique, vous pas si par là, Ariel ne pas confortable à vous. classe politique ne pas confortable à que vous avez vu. qui apprend que ou gen plus de 500 millions de dollars américains, ça veut dire que sont êtes capable de grandir économiquement qui gen l'argent. De fait, on va montrer entreprise dans le pays. On gars qui pas dit qu'il n'y a pas de caractère. Mais que la vérité établie parce que l'assassinat n'est pas clair. Il n'est pas clair. Il n'est pas clair. On va tourner sur ça. Et ça, on dit ça. Et go causez, e, oui. Alors permettez-moi. Et entendez. on faut une connaissance pour le monde qui ne connaît pas. Gardez, je ne pas connaître... Je prends hier temps pour entendre paquet extrait, côté qu'il parlait tout côté et je me tombe sur ça que radio et télévision caritif fait déplacement il est allé à Bruxelles Bruxelles eh ben PM et ça là en entendant déclaration et Koni pour nous pour vraiment faire connaissance avec Mounsa, ça que coulèvent sept traites plus deux traites fait 9 traites Volé, corrompu, criminel, assassin, je n'en compromis, c'est lui-même, c'est Gariconi il choisit. qui n'est pas Haïti depuis en 2011, pas vrai? Depuis 2011, il n'est pas Haïti. 2011, 2012, il n'est pas Haïti. Eh bien, c'est lui-même, oui, environ 12 ans après, qui n'est pas comme premier ministre, qui base, sous qui prétexte, qui profile, qui critère, mais sauf que, en Haïti, on ne peut pas qui critère tout, qui n'est pas ça là. En avance, Gariconi à l'appareil, il en avec un pile d'intérêt, parce que nous avons des points qui sont extrêmement importants pour le faire. Pas pas, l'ambassade américaine a parlé. Comme nous qui fait les palais, il a pile de cause qui a parlé. On doit gagner toute information. Mais pour gagner, il faut qu'on rête dans l'émission. partagez Partager, ou quittez partage un commentaire. Quittez un commentaire qui est dans le sens, qui est dans le fil selon l'opinion, son pensée, quittez commentaire-là, Parce que c'est très intéressant. En tout cas, Darikoni, Namikro, mon correspondant, Radio et télévision. Poser la question ensemble avec quelques et camarades journalistes sur qui ça l'a fait là et sur qui gens l'ont vivre des situations payantes et jeudi. Donc nous invitons à suivre le moment ça nous a passé avec l'ancien premier ministre Gary Kone. Dans une de développement qui soit fait là. Effectivement, c'est dans deux cadres. D'abord, on continue continuer à président Sierra qui est président libéré en appui. Et l'Union africaine nomme président Sierra président d'un comité spécial de 10 présidents, chefs d'État, chefs de gouvernement, pour définir une position africaine commune sur question agenda post 2015 E lankad sa li vin la li menm, donk mwen vin akompaye, mwen vin la tou lankad UNSCSN ki son stoutu ke sekretèr jeneral la etabli et e et ki dirije pa euh, Jeffrey Sachs e Earth Institute e Columbia pou nou ede tou lankad definisyon sa nabri le ajenda post-2015. Nabri aple tout moun ke an lant 2000, pe yo te an tan yo sou ajenda ke yo te le les objektif du millenèr. Objektif du millenère yo ap ekspire en 2015, e jodi a gwenye for internasyonal pou ke le moun an ti an tan yo sou kikad, ki kad ki pou al remplase objektif du millenère. Non ki nouvel objektif, ni nouvel objektif, ke le moun pou al fikse, pou al bay tet li, e se yon petit peu diskusyon sa yo ke Union OPN ap fokus la jodi a. En 2000, nous avons huit gros objectifs. Donc tu as des objectifs par exemple de réduction de mentalité maternelle, de scolarisation universelle, tu as tous des objectifs sur euh, le partenariat, tu as des objectifs par exemple sur H Sida, tu eu, as euh, donc une série d'objectifs mais qui étaient plutôt liés à des affaires de pauvreté. E yon nan gran chanjman kap gen lan prochen kad la, se ke ap von fokus tou fwa sa sou de kreasyon de rikches, sou kreasyon d'emploi, sou kwasans. Poske yon nan le son ke nan pren nou kou de 15 dernyan zane, se ko pap ka arrive redwi povrete lan nivou kota yon meridvi la, si ou bagon nivou de kwasans, sou bagen kreasyon d'emploi. Se pou sa dayor ko wè lan peyiz Afriken, yon Antonio, yon tonyo, e ap tabay ansan pou yon kompozisyon komyoun, e kompozisyon komyoun sa, a, esensyelman ap aksè sou 4 poy importan ke l'Afrik vle wè lan nouvo rajenda. Le transfert de technologie, les infrastructures, surtout l'énergie, la transformation économique qui pour est essentielle et une certaine protection environnementale parce que nous connaissons que la croissance mondiale la continue faire, il pas continué à être faite s'il pas faite de manière beaucoup plus efficace et s'il pas faite avec beaucoup moins de pression sous l'environnement global là, qui arrivait vraiment à ses limites. Donc, c'est un ensemble de discussions ça, que nous vivons là aujourd'hui hein. pour nous, si nous arriver à un, processus, un sac très différent. De ce qui a passé là, y a, par rapport à ce qui a passé en 2000. En 2000, son sont petit groupe qui était été réuni et qui ont défini un agenda et puis ensuite le monde a adopté. Fois ça, euh, les Nations Unies et le secrétaire général établissent un agenda sous presque deux ans pour définir ensemble pour tout le monde participer. Là. Alors, pas oublier. Et là, l'interview sur là, il y a environ 11 ans, 11 années. D'accord Il y a environ 11 ans, c'était normalement en 2000. Euh, 2011, plus que 11 ans même, n'est pas 13 ans. Euh, Il hein? est grand plus temps, nest pas 13 ans Il est grand plus de temps. Alors plus que 10 ans, on nous le comme ça, plus que 10 ans. En définition, cadre qui pourrait définir partenariat global en matière de développement durable. Agenda, c'était les Nations Unies, on a presque demandé qui, qui ça, en fait, qui ça a l'Europe à faire dans la question, d'autant que le discours n'est pas forcément... Même si on est concentré sur l'Europe, moi j'ai l'impression de a parlé de agenda après 2015. Là, il y a parlé, il y a parlé pour le monde. Est-ce que ces mandats, ces gens, secrétaire général, abordent des questions qui permettent que la situation en faites comme ça une Question très intéressante. Nations Unies, by Tête, ont séru un instrument, un processus pour le capable de définir agenda post-2015. Et ils créent, ça il aurait un open working group, un groupe de travail qui au moment où on parle a réfléchi sur l'agenda ça. Et éventuellement, états membres yon pou alvini, yon pou alvote sou agenda sa d'ici euh, la fin 2015. Mais en tout temps, les organisations comme l'Union Européenne, comme l'Union Africaine, vle assuré yon que yon mèm tout yon ka influence pou se suisse globale sa. Et c'est l'encadre sa que l'Union Européenne, ni mèm en tant qu'entité, vle, et c'est pour ça yon sort son très bon document là d'ailleurs, A Distant Life for All, que m'encourage yon gade, kote yon mèm yon baye vision yon de ki sak pou inclue lan yon agenda post-2015. Donc, si tu veux, c'est un effort kombiné de toutes structures pou influencer le document final. Mais il n'y a pas de doute que le document final, c'est les Etats membres, dont Haïti, au niveau du siège des Nations Unies, qui éventuellement pou acheter ensemble, qui pou all voter, qui pou all définir, qui sacque bien l'agenda. Et il y a des différences assez marquées et attentionnantes. Lè, par exemple, ou pren Bola Kainou, latino-amèyken yo, yo gen de langaj bien spesifik yo vlewe. Yo vlewe, par exemple, kontrol sou produksyon et konsomasyon. Parce yo kwek so, yo nanpik yo mounas ki gen lan devlopan durab, se le kisyons environnemental. So, ou pal gen, se ke a partir de 2030, ou pal gen des centènes de milyon de, de, de moun ki gwen ekonomi, ki gwen potensyal d'achat plus élevé. Donk moun sa evidamman, yo pal konsome enerji, yo pal manje vyan, yo pal manje, yo pal kons konsomasyon, yo pal augmenté. Et au moment actuel, yon étude ki montre ou, ke au niveau actuel de konsommasyon nou, nap konsome preske l'ekivalant de 3 mondes. Donc, tout question, c'est koman eske -ce nap ka fè pou nou augmenter lichès chak individu, chak individu sa yo, donk, pou al bezwen konsome plus, et koman ap fè konsome plus san <tousse> yo pa de yon effet délite, yon effet negatif sou environnement. Donc, se diskusyon sa yo ka fète la akounyer, pou nou liye a la fwa pos 2015, ki sa agenda kap remplase les objektif du mille d'air, men tou pos Rio plus 20, pos un ap chanje au Brésil, nan Rio plus 20, te kon paket diskution sou sa rèlè développement durable et se trois piliers, et se tou lè dè mouvment sa rèlè kap koncilier la akounia pou nan rèvè an agenda final. Europe la, loin nou, Belgique, loin, jounè européenne de développement an pale de Haïti, ki, par exemple, impotant sa Haïti genyen pou suive jounè européenne de développement, nan ki sens ou panse... diskusyon kap fet pandan 2 jou sa yo e kapab gen influence ou bien kapab implike et Haiti? La poukou influence kapital e de plusieurs manier. La premieran chose se ke diskusyon sa yo kap fet o nivou mondial pou al defini koman parteneryo komporteyo. Lèm te gen objektif du millenaryo par exemple, nou te gen 8 objektif du millenaryo, l'edukasyon, la sante, le Haiti fe program de devlopman ni bayer yo, yo avek parteneryo di a ah, mbawe la sante la, mbawe l'edukasyon la a formete l'an program wan pou msupoto ou. l'homme a rappelé nous que mon qu'a parlé à ces gari koni mon que et coulève cette traite-là plus des e, kom... li, li traite lio et dit que c'est eux qui choisissent comme alors si c'est ancien premier ministre soumatelli, il pas traité pas blisé même groupe nèg ça qui était courir d'elle pas blier non même groupe qui a été couru d'elle qui été pété courir d'elle de dit tout qu'il était bagarre des mais c'est même eux même encore qui fait choix des en 2024 Vous comprenez comprendre ça ça veut dire oui c'est même eux mêmes qui ont fait choix des je crois que c'est une nouvelle tête là, c'est une bonne tête là, c'est qui est plus propre là, c'est l'homme de consensus là, le tel bagaille. De il même encore, qui est dévoué, il peut être que vous 2012 en 2011, 2012, il y a même qui te dit, d'elle, de y a même qui vient révaler même ça au vomir En va créole, Sorry. OK On avance. Et hey, pour nous comprendre, oui, moi-même, je ne sais pas moi-même je ne Ni pas. Je ne en pas si vous avez des gens. Je ne sais pas si ça tout. D'accord Ça veut dire que je n'ai pas de mal de me dire qu'il y a du bord l'éclair ou c'est un visage clair qui montre que les Haïtiens qui remet Haïti dans la diaspora ce n'est pas eux-mêmes. Mais c'est les Haïtiens qui ont le service de ce service-là. C'est eux que je pense qu'ils ont comme profil qui peuvent devenir dirigeants dans le pays d'Haïti. Ou ils ont un droit pour travailler. D'ailleurs, il dit la clé. On a un job qui est extrêmement important au niveau des Nations Unies. Eh ben, pour être capable de démissionner, il faut e prendre une décision. Alors, il faut qu'il vous le comme premier ministre d'Haïti d'abord. Et puis après, il faut la nomination dans mon tout bagarre qui sorti. Et puis, à partir de maintenant, vous va démissionner et pour la direction, du pays d'Haïti. Mais comment le pays a fonctionné Ou qui côté, Washington ou bien New York E pi, se let nominasyon harite ou ki pi vin soti, e gro goj ki te... Ki te mwen mwen kon konen, mwen sa ke m pap jom pale malde ou? Mwen ki tap jou ou man kode e ga tout ka ite bagay dida bagay malde ou, sou mate li yo? Jou ou tet kale, ekip mate li, sankout ya, volo kopye kopye tout ka ribo ki ma dade yo. Mwen mwen ki tap ditout bagay malde ou yo, se menm yo menm nan jodi ya, ki wak yo se pi bel tete la. Avedi ki sa k pase, mwen pap wale pale parol neg pou neg. Men sa map di nou ki important, se neg yo kpa bon, e pa mwen pou yo kpa bon Alors, pour moi, ce n'est pas, pas bon. Mais c'est un messieurs qui sont des, des assassins, des criminels qui sont là, peuple, font un peuple pendant toute vie, pendant toute existence sous un politique, et puis fait exactement ça qui est contraire avec ça que est un peuple là comme discours. Vous avez moi-même, vous faites sauver, j'envler, l'or pipito. Sauf que ça qui est important pour nous, nous-même, nous avons une révolution. Révolution pour la libération son pays d'Haïti. Ce y a fait tout d'un coup, mais nous, nous leader, leader nous, an, pas décider de prendre des armes pour tout, vagabond, pour te prendre pour pouvoir. Mais il décidé de passer, façon a la façon d'avancer avancer là. Non, tête ensemble que nous mettez, il faciliter nous, criminels, dans le pays, et les forces yo tout, mettent tous ensemble pour constituer une véritable force pour capable essayer bloquer nous bloquer. Mais peuple peuple, il est devant nous. Il n'y a des bagailles. Il n'y pas jamais qu'il est dans le pays encore. Sauf, il décide de faire l'élection pour nommer les gens. est clair tout. Si que gonti groupe blanc ou bien blanc qui travaille pour des oligarques dans la pays d'Aïti ou qui travaille avec des oligarques dans la pays d'Aïti, si yon bez ou se moun qui pou président, qui pour sénateur, qui pour député, magistrat, ministre, que yon toute façon, tout dit que Haïti c'est tel état pour yo, que yon nomme moun yo, j'en ouvre le, pipito, mais nous pas besoin de faire élection. Avec ce si yon a vu une par d'élection, et le peuple m'a dit que 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 m'a Mbadi vote voter tel. L'absénateur. Ou on va pas on l'autre bio bay. Et ça que m'a dit n'a pas de bagay. Depuis que vous trop de États-Unis. Ou que trop aux États-Unis. Ou que trop au Canada. Ou que trop à la France. Vous avez une stratégie pour le faire quoi Pour faire sou tourner sous toute décision. qu'on êtes capable de prendre pour peuple. Toutes les fortunes à l'étranger. Toutes avoir à l'étranger. Madame ou belle petite à l'étranger. Vous pensez qu'on prend le bataille des de ne cap fait politique qu'a fait ingérence dans dans pour dire que hier depuis plus passé 30 années si groupe ne qui supporte les à l'Assemblée d'haïti qui travaille avec des oligarques con en Haïti, yo là depuis là depuis environ 30 l'année sont présent activement OK dire que yo tout fait lui c'est eux même qui l'a et au présent yo, yo influent dans la politique États-Unis la France, Canada ah ou pas à fouider moi même pas battre contre eux parce que je ne suis pas capable bataille contre eux et c'est pas eux qui intéressent parce que même si vous avez parlé en dominicain, mais vous ne parlez pas parle, J'ai fait en Haïti. Ça veut dire que ça, en Dominicane, il y a des autorités. Ok? En dominicain, il y a des dirigeants. Il y a des patriotes comme dirigeants. Des faits qui ont été comportés et l'autre pays connaît que naturellement qui qualité politique qui envers le pays. envers enver, en, enver la Dominicane. cest le premier problème, c'est nous-mêmes en tant haïtiens. Automatiquement, nous finissons le problème haïtien. Le ça n'a pas camper pour nous questionner. Ou bien pour nous dire blanc, mais ça ne veut mais ça ne veut pas, Mais ça ne veut mais ça ne pas On que le ça pas visage blanc pour qu'on ait s'il dit, sil date. Au moins, il pas pour dire de même au fou. pas que On avance. Fois ça, ça il a s'assurer que l'autre élément est important pour nous, par exemple l'accès à la technologie, le fait que nous voulons que dans les dix prochaines années, tout Haïtien ait accès à Internet, nous voulons assurer nou que l'élément ça a tout l'agenda global là. Parce que c'est ça qui va garantir que différents partenaires. Dans nos belles bagailles. nous avons parlé de après 2010. Nous voulez que après dix ans pour Haïti accès à Internet. C'est normal, la Dominique, tout dominicain ait accès à Internet. Moi, même bon en Dominicani, c'est plus meilleur et plus bon Internet là que je me suis gagné. Internet que je me suis gagné en Dominicani, il est plus bon que ça me suis États-Unis là. On a fait une idée. Il l'autre qui États-Unis, qui est plus bon Internet là, oui, mais Internet fonctionne ma fonctionner là. que je paye un paquet de copes, en Dominicani, il est plus bon Internet là. Et c'est mi, Internet militaire dominicain, fonctionne là, c'est ce que Parce que c'est lui qui gagner pour faire des choses que a besoin dans les médias en ligne. Surtout dans les affaires Facebook, YouTube besoin de bons j'ai internet là. En L'Amérique, c'est internet à gagner. OK Pour Dominique, il pas payer internet ça. Parce que c'est le pichet tout. Et Dominique, il la là trop de ralentir un haut, il va aller là. Eh, mon choudin, il va payer Gokop. Eh bien, il connaît depuis qu'il est à petit ça. Eh ça qui plus passé, 13 ans, oui. Qui a accès à l'ICE, accès à internet. Ou pas qui a accès à internet parce que a un Digicel, il a un CARICOM, il n'a pas décidé pour l'internet le pays. Dominique, il a internet là. Vous même que acheter Internet, vous pas Parce que vous pas les Haïtiens ont accès à Internet. Vous voulez faire payer On avance. Ils ont effectivement supporter nous dans le sens que nous voulons aller. Ce sont les premiers facteurs qui sont très important. Mais le deuxième facteur qui est très important dans la discussion, c'est yo à structurer comment vous-même ou pouvez focaliser l'énergie, on. comment ou on même ou pouvez mettre en place pour processus pour. Donc par exemple, le président -sure, même la il a un problème de ressources naturelles, il y a un problème d'exode de capitaux partout en Afrique. Yo kon yon problem yon norme d'exhort de kapito, kote ke yon euh, paket kon fèt an Afrik, epi yon ale nan yon peyi pli devlopè. Donk yo vle asyre yo ke des elemen konsak important pou yo, inklu tout lan agenda global la. Ke peyi devlopè yo akseptè, met an plas de mezur, ki redwi, pon se nan palè trè souvan don montan ki depase sa peyi Afrikan yo recevo an asistans ekstern. Donk yo vle asyre yo ke elemen sa yo, inklu lan agenda atou. Donk fò la, pwè miyaman pou wè sa lot vle metè ki ka afekte yo, Le, par exemple, il y a parlé de l'économie verte et restrictions que ça a imposées en termes de modèle de développement. Fort faut pour assurer que l'élément même qui ouvre qu'il a, les incluent dans l'agenda commun. Donc c'est une discussion qui est importante. Il n'y a aucune raison, il est loin d'Haïti, mais il est très intéressé à Haïti. C'est pour ça que d'ailleurs, le monde là. Le monde représenté, un paquet de chefs d'État, dont euh, le, le président du Niger avec lequel j'ai travaillé et l'homme des résidents coordonnateurs, qui vini, nous est au premier ministre jamaïcain, hein, Lila, tout, c'est parce que nous voulons faire partie de discussion, hein, parce qu'en général, si ne fait pas partie de discussion, hein, on a subi résultat de discussion au lieu que nous bénéficier de lui. Et le monde est là, mais Haïti, les est pratiquement absent de nos activités comme ça. Alors que nous posons des questions avec une autorité européenne qui dit que par rapport à la question... Et l'objectif millénaire, là, Haïti est rare pays, sinon l'unique qui n'a pas atteint un objectif, huit objectifs qui étaient fixés. Dans la région, c'est vrai que Haïti, dans la région, c'est un pays qui n'a pas fait progrès pour le faire sous l'objectif euh, du millénaire. Et c'est pour ça que c'est important que non seulement pour nous discutions pour nous être comme un prochain cadre, mais je rappelle que entre Kounia et échéance 2015, là, nous est à peu près 1000 jours. Donc, il y a tant toujours pour Haïti faire progrès dans l'éducation universelle, santé, équité de gens. Par contre, quand me dire ça, je suis as assez fier de ça. La question euh, éducation, Haïti, c'est un Europe pays avec ce niveau de revenu qui était atteint et, et cible de parité garçon-fille au niveau primaire depuis très longtemps. Et nous, Haïti fait progrès en pile dans la question réduction du SIDA. Donc, il y a un peu de progrès quand même qui est fait, mais il y a beaucoup plus qui est à faire. Mais dans quatre définitions de nouvel agenda, il y a certainement des éléments clés ki a iti vle we lan, lan potfoy la. E an se sens, nou gen rezon, i fò ke nou prizan. Se si di, gen plizye forum kote diskusyon sa ap fè. E isi la, je di ya la, se sèlman yon lan forum yo. Donk, msü ke par ekzamp, ou nivou de Nasyons Uni, New York, ou gen ambasadeur avek ekip teknik. Technique... E pèmèt mwen di sa tou, e se yo nan bagay pou Jaspo Aysen nan tou profite organize li, nou wè vè zè konè pa pose kèsyon. Pas une élection pour faire en Haïti pour que Jaspo Aïsen n'ait pas qu'à voter de, de Kazak à la présidence. S'il n'y a pas qu'à consacrer qu'il n'y a pas une élection. Je vous dis le clair. Si, en Haïti, attendez bien, j'aime bien dire la partie de gars qui C'est clair. Il ne faut pas qu'on ait de doute sur ça. Le monde n'a pas été dans la diaspora. Il faut qu'on ait qui pourrait être qui sont volés. Moi-même, je veux, que soit l'élection qui a en Haïti, si que Jaspo Aïsen n'a pas, quel que ke soit le côté du monde, Haïtien y est. Quelque chose passe pour le gagnant là, c'est que le PAC a voté, le PAC a candidat, l'élection n'a pas besoin de faire dans le pays. Nous clairs sur ça. Parce que le seul moyen pour le pays de c'est avec PT qui est pour tout le monde, qui est compétent. Oui, mais c'est ce que nous avons qui a assez de compétences. Mais est-ce que le PAC a fait un pour Haïti Non. Dans ce que ça l'entrée a, dans le temps volant l'entrée a, et de façon l'entrée a, pas un résultat qu'on a pour payer ça, pour ça. Il est clair. Sous ta attends le tout, ou pas, fait trois jours. Ce soit autour ou même Jean Jovenel ou bien, il faut disparaître ou j'en ou te couille dehors de 2011, parce que pas besoin de ça. Et ce n'est pas éclairé, vine parler de technologie, ou pas internet, de soi pas internet. T'as la bouche ou ou du bras limé sur électrique que j'ai jouvenel, moi j'ai commencé. Le vous dire pour un, pour deux, ou pas de carité. Il est clair, ou après y'a ou, et après y'a de code bloc, code bloc, c'est là. Qui, a voulu qui certainement a engagé la discussion et, à mon avis, a représenté intérêt et vision paysale en cas de discussion. Si vous avez une autre question, M. Conny, sur JEDO, euh, en tant qu'ancien chef de gouvernement, qui vous aujourd'hui porté sur Haïti Tu sais, nous sommes fait presque 14 mois en Afrique, mais nous suivons Haïti de très très près. E msye tout koun ya avek teknoloji korey en, mdade nou tout la regulyaman, sou internet, et, m li regulyaman, tout, tout jounalyok sou internet, n ap suivi situasyon de pre, m avouye ke, m pou m pataje, m m trez enkyen, m trez enkyen, m trez soucye, ke nou pa perdi le peu d'aki ke nou koumen pou li ou kou de dernyan zan. M trez enkyen tou, poske lom gade problem de fon yo, ki se l'ekstrem povrete, Pourquoi est-ce vraiment aucun vérité pour ça changer? Le map de Haïti, je me suis toujours dit qu'en 1960, nous avons le même niveau de revenu que la République dominicaine. et le même niveau de revenus que le Ghana. Je dis à pays, ça a eu 4-5 fois le niveau de revenu d'Haïti. Donc en fait, le niveau, les problèmes de fond du pays, la pauvreté, ne sont pas en train de s'améliorer. La classe moyenne est détruite. Je dis à un professeur d'école, l'école, pas qu'à vivre de revenus de revenu comme professeur d'école. l'école. Un chauffeur taxi. Vous un... oui? Des... Là maintenant, nous sommes en 2011. Pour y 2012. Et, n'a pas de, professeur professe l'école pas à vivre avec revenir. Vous tu bien, oui? Avec l'histoire de 2011, 13 ans après professeur Professe l'école pas à faire coup même. Voyez pour yon ta pensé à payer. Haïti, même si vous travaillez ou pas payer, vous voyez pour pas de travail même. Ok? Tout bagay net krasé Haïti plate. Et, monsieur, yon te pète kouya, tout boulin de monsieur. Et ça cause map jo. Oui, ça, premier cancer là. Première situation difficile non. premier responsable, toute calamité non. L'homme avec femme qui a fait politique en dans pays. Ya. Tout autant que le monde a existé, au pas chambre en Haïti. Le monde vivre, Ça va exister. Sous quelque chose de la forme, le peuple a pas bouger avec la qualité de la monde. Ok? Le pas a fait un et un avec vous. Il faut que c'est élimination totale capital pour qu'on fait avec la qualité de monde Haïti pas capable de continuer avec ravet ça y avec pourrity ça avec criminel ça faut que nous fassions tout ça capable pour que nous démantelions coalition gang volé, vicieux, corrompu, criminel ça y Dans la politique là. C'est eux-mêmes qui ont problème, C qui le problème. C En vérité, c'est eux qui ont le problème là. Garantissons ça. Ou même corrompu corrompus, criminels, assassins, En vérité, c'est pas jeune politicien, criminel gang sale.

n'a pas voté l'argent, n'a pas fait l'argent, et puis, par la suite, n'a pas viré de nous péter courir, c'est la quoi l'attention Elles sont l'attention dès qu'il vient là. C'est pas le chef, c'est au cap-chef en Haïti. C'est même mêmes gens, se, se, vol, c'est cette traite-là, cette traite plus 2 traites-là, c'est un coup... Et comment elle est... Et, et... Comment elle et, et, professeur, ah oui, est, professeur Harry, c'est juge coup de cassation, et eh, eh, Boniface Alexandre, okay? c'est un coup professeur eh, Alexandre c'est comme ça que c'est comme ça le brali couleve cette traite là brali résumé en Alexandre et puis ou même ou et et j'ai la tortue ok ou j'ai la tortue gros bouton ton chef c'est au même qui parlent dans les États-Unis parce que c'est au cap tout c'est au même qui tel ou qui clairer tout c'est au qui plus ou moins cap avec, avec au contrement tout mais naturellement pour que résultat zéro ok mais est-ce que Garikoni ou pas le marcher sur votre Dis-moi, non est-ce qu'on a un marché côté sale et marché sur la boue de Losanty de Kouy et Tourégo est-ce qu'on a le marché Kou bayi kap fet, kou bayi kou bayi prepare, kou pasè. Frèchman, te mi nan yon rivaliti yo salop tou. Men, mwen ba akwa mwen mda chef nou peyi, pou peyi mbada prop, ke mbada chef. So, mbada mwen mwen mèt kati sou mwen mache sal, takou peyi tit dan, takou raveit pou yi santi nan peyi, nan Bodo Pres, e mdios bè. Men, pou mwen mpèti kati sous mwen, pou mba kade sonate ya, poussi ap sal mwen, nan mwen chef, mwen mpa prop te vila. Vila ta prop. Gane konez koka prop te vila Bodo Pres, mwen mwen ba ou ba interese tout temps comme qui va le faire comme qui va le faire tout comme qui va le faire et grand toujours là insécurité gang n'a toujours là parce que nous pas trouver gang vrai OK n'a trouver deux trois gang qui peut être déranger nous et eh, nous senti qui représenter une menace pour nous ta connecté au barbecue nous avons go capacité pour fédérer les gamins n'a trouyeli nous capable tout trouyé Jeff Tanaka en passer tout américain nous capable de trouyé éviter l'homme parce que la kidnapper américain nous nous capable trouyé l'homme sans jour parce qu'il passer le kidnapper américain mais après ça les iso petit l'appli bougon qui les joueurs de Nenel Cassi et justement monsieur Saio a traité là eux même pourquoi nous pas trouyé tout un petit machin de problème pour joindre les deux bouts et c'est problème de fond là malheureusement pour moi, beaucoup à attaquer. Les problèmes d'environnement, en 1940, nous avons la même couverture environnementale que la République dominicaine, 40%. Je dis à nous à moins de 2%, à peu près 1.5%, alors que la République dominicaine qui est un peu de Et c'est des problèmes qui parlent des répercussions à long terme, longtemps d'exporter sucre. Je dis à nous importer 100% de sucre que nous mangeons. Donc a des problèmes de fonds, qui demandent une solution consensuelle, une solution concertée. Mwen se ke son tre mouvez aproche pou moun kwek a partir du, du palen nasyonal ou de, 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 du bureau de la primatur ou kapab rezoud probleme Haiti. Probleme lan se ke vreman pou arive kreon klima kote chak moun arive kontribuye pou nou rezoud probleme de fon. Mwen se l'important tou ke pou nou explike Haiti, et Haitien, ke probleme de developman yo, yo pren tan pou yo rezoud. E o fuy a mezi foun ka explike populasyon me, foun ap fey me kwa man ap avansi. E foun pa fel de promes demeziri. son preuve, pep ki fe patience, pou ev dan pil pasyans, men yfo pou eksplike le so ap fe, pou mwa fe, le, pou l komprene pou l patisipe. Ank lan gwo, l wap gade, bay ekzamp, mte an Etiopi, ma pou toune an Etiopi le 10, wap gade mwen progre Etiopi fe an 10 an, son peyi ki vreman pou alvin nou ekonomiye emerjante dan le 15-20 pochen zane, l wap gade mwen Et faut que vous faites en termes de mettre en place institution, de mettre en place structures. là regard pour moi, il faut qu'on fait un peu partout en Afrique, des de pays qui étaient loin derrière, nous, là au Niger, à côté moi-même il y a seulement 4 ans, comment ils fait pour vous-même arriver à partir du programme présidentiel le, les la du Niger, le Niger, nous le Niger. Comment ils arrivent à mettre en place un programme cohérent pour faire fait pays avancer Moi-même, c'est quand même douloureux pour moi que nous-mêmes...

mais ça tout le monde dit ou c'est joueur blanc qui te me ça tout pour nous dit que c'est joueur blanc ça veut dire que c'est blanc qui met qui voye et j'en fait là tout tout pour nous sentir que c'est blanc Mais en Haïti gon jan que ça tout fait et maintenant on sent que gon tendance gon monde qui est international là même j'aime te dire ou un haïtien que personne pas connaît et Haïti depuis le Grandi dans la diaspora et aller à l'école dans la diaspora. N'importe quelqu'un qui a décidé de faire photo dans Washington avec 3-4 personnes qui sont costumées, valises dans le dos, ou bien qui une sécurité de côté, il fait photo avec eux, et puis il a arrêté de il photo ça, il dit, moi c'est haïtien, je me rencontre dans la maison blanche euh, avec des représentants du président Biden.

il a fait le chef dans le boulfique comme peuple même a dit nous sont autre bagage et ça me t'a dit Gary Conny si monsieur et tes tu te même ja avec Mat, par exemple madame Evelyne Louis et Negesima Mou un qui est patriote tant comme de Francisco comme ça violent et tant comme et madame Ariana comprenez ça me et e, toute famille plateforme dans depuis Boston pasteur yo, et pasteur Franklin comprenez pasteur Franklin depuis Boston et qui est de, des patriotes à pasteur Malori. Men, si Gary Kondé était comme ça, Gary Kondé est privé dans la primature comme premier ministre. Okay? Et puis il a fait un démantèlement total de la classe politique régionale haïtienne, mais sans qu'on ne pa batte pas avec physiquement ou, ou bien directement. C'est à travers l'action qu'on a posé au niveau gouvernement. Parce que, pas oublier, ministre de Finance, il faut qu'on a exigé, c'est pour ne pas pour de débloquer l'argent. Pou et pour ce qu'on fait, ou a dans le vous avez dit que Central ça, c'est pas l'agent Jovenel. c'est pas l'agent Martin Moïse, c'est pas l'agent Femme Jovenel. Mais c'est comme que Jovenel Moïse prêtait comme chef d'État dans mes pays Taïwan. Sous le c'est l'État, c'est Papaïs et Pour pour l'acheter Central ça, qui est son central général, général électrique, qui prend allumer par le à 18 heures 18, 18 courant par jour, qui prend passer par 24 heures de courant par jour. Ou d'apparaître dans le vous d'apparaître dans le café, d'apparaître supportez-nous, nous, nous prêts à l'allumer Central ça pour ne pas y ça courant. Ou bien de class la classe politique là net oui, avec tout le patron, oui. Ou débat que c'est phénomène capaïtien. Ou dit centrale fini tout poteau là. Moi, besoin de monter au limet pour séconiser toute ville là. Tout poteau électrique, tout baïonnette, tout coud, toute ville Tout cabio. Ou limet, ville capaïtien. 24 heures sur 24. Ou une centrale électrique, dans fort Liberté, département nord-est. Ou dit que ça, ce n'est pas l'agent Jovenel. Ce n'est pas l'agent maman Jovenel, mais c'est volonté, monsieur, de gagner pour le téléphone, pour pou payer. Nous ne pouvons pas quitter le On Nous faisons des choses. koni. Souvenez-vous de ça, yo. Même numéro de téléphone, c'est 571. 52, 52, 15, 47, ça est. de pouvoir décider de faire yo. En vérité, mon Dieu, c'est le seul monde qui a dit, monsieur, qui est là. Oui. Oh, de ces jovenels, yo. Oh, ou quand vous il faut que nous mettions une commission de vérité sous pied pour que nous enquêtions, pour que nous de, de, des juges sérieux qui mènent enquête sur le dossier assassinat de Jovenel Moïse. C'est que mon à pied, Gary Kony. Pas de monde qui a pris mon passé. Oui. Pas de monde qui a pris mon passé, garçon C'est que mon tapis. On faut bah, que nous mon, mon euh, ayons bah, mon mon monsieur toujours. Il semble. Il, 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 franchement, sauf si as coquin c'est le coquin le mec dame audacieux connais c'est comme une matelie il peut pas prendre de bagarre comme ça mais des bonnes il vivent faut pour payer hein c'est le même projet, que je vienne moi te prend la gêne pour te faire yo comment continuer yo continuer yo pas venir faire bagaille. bagarre faut que continuer on vivent dans la diaspora, vous vivent dans le sport quoi monsieur, c'est ne pas mais monsieur tout éliminer vos locla yo tout la classe politique là netto connerie Vous avez de là tout nouvelle tentative justement c'est un autre oui monsieur

ou appelez mes centrales électriques Kafoulan, ou appelez mes centrales électriques Jérémy Gredens, ou a ou après retravaille sous saint gemoplasio pour nous faire pile pied bois, pour nous reboiser le Oh, Gary C'est qu'un mot tapis, Gasson, c'est qu'un tapie C'est que. On ne quitte pas les deux non pour nous qui est-ce qu'il y a. C'est qui bon problème là il y a mm -hmm. Quelque part quand même. <laughs> tu sais, le problème là, c'est que en, cette incompréhension, cette mauvaise compréhension du développement que... Nous croyons que le changement absolu du palais national de la primature, le changement absolu dont il faut concerter de tout secteur, de tout élément la société, il saute dans l'unité. Ça veut dire faut que le secteur privé à jouer Wally rôle. Il faut suffisamment de confiance dans l'État pour jouer au rôle. faut le secteur social a jouer rôle. Il faut évidemment le gouvernement et le Parlement jouer au rôle. Son fok son enfor kolektif, pa gan yon kap tombe dan ou e pi, suvizam, e pi subitman wap wè tout baye rezou. Mou kwen ke sa son premier e, enkomprehansyon gen. Dezyen baye an, se ke mou kwen tou ke poublem non pa son moun poublem ayisi. Mou kwen senserman ke koumenote internasyonan la gen bon tout, pa ou de responsabilite l an enkapasite nou pou nan avanse. Evidamman, responsabilite avanse ase avan tou, responsabilite pa nou kon maisyen. Men aussi, le partenè ou si, partikilyanman apre le trembleman de terre. Yo fède pou meske ou pa kèmbe nesesèrman, yo, yo, yo pou anganjman ki, ki pat kouyran du tout, yo pat pèmèt gouvernement et état isi en pren direksyon ou konstruksyon, et pou mwen nou pa vreman benefisye de opportunite k te kreye, mèm apre trembleman de terre. Donc, son konvejans de faktor, mèm surtout, surtout mèm ap gade peyi kap avansè kouni, mèm Liberia, kote msou te, m'so te fè 14 mwa, bon mwen eleman esensyel, se ke se vreman un efor de tout la kominote de voulo a rezoud lè voulèm. ek vreman tout moun met ansanm pou yo apote peti kontribusyon par yo e le merit apote a tout l moun par un goup donk pa goun kompetisyon atle diferant goup pou yo pou yo ka di ki eski rezout problem vreman son yon fòr konsert donk moun kwenk lè son dènyè pwèm ap di sou samba, seke tèz impotant mwen seke, lò ap gade di difikil tarik si fòt tout sektor yo, wè mette tèt yo an kesyon fòt tout sektor yo entewoje tèt yo fòt tout sektor yo mande tèt yo ki sa yo wale fèt diferanman apatir de 2014 2014, se le 210èm aniversèl De notre indépendance. C'est le quatrième anniversaire <t 'en> du, du, du tremblement de terre. Fon commence à parler de Haïti 2, d'une nouvelle révolution, d'un nouveau 1804, avec une nouvelle image de s'annouveler de Haïti. Et remise en question, ça, il faut tout le secteur où il pour dire en 2014, qui ça me va changer le comportement, parce que définitivement ça ne me pas avant, ni pas nécessairement abouti. Docteur Koune, il pense tant qu'ancien Premier ministre, vous faites l'expérience de l'aide au développement. E notamman, ou te non gouvernement, kote prezident de la republik lan, ki toujou an fanksyon, administrasyon toujou an fanksyon, ta prone investisman nan plas aide ou devlopman. E panse pi fwa moun da akor joudian ke aide ou devlopman, se pa li menm kap menen ver le devlopman. Me ha iti juste mwen goun dilem, paske l'oblige kontinuye a beneficye de l'aide ou devlopman. Menan, ki meyer stratejou panse gouvernement ta de genyen? entre l'aide au développement, en fait, maintenant, parler avec le recul, puisque vous-même êtes dans les affaires, des affaires publiques, je dis à vous en dehors, vous faites expérience d'autres pays, vous suivez l'expérience qui a parlé, et qui meilleur choix que vous avez de fait entre l'aide au développement et l'investissement qui t'a d'avenir aujourd'hui C'est une question très importante. moi personnellement, je crois que ce n'est pas une ou l'autre. Pour le moment, quand on pile le pays qui a pas avancé, on parle de l'Éthiopie, tout à l'heure, à fond pour énorme côté que diaspora éthiopienne a investi massivement dans l'infrastructure, dans la construction en Éthiopie. Mais ceci dit, l'Éthiopie est encore le premier pays pour le financement de la Grande-Bretagne, par exemple, et le premier pays à recevoir l'aide américaine en Afrique. Donc c'est pour te dire qu'il y a de la place pour les deux. Mais ça demande trois choses, et tu as raison. D'abord, il faut renégocier cette aide, il faut renégocier cette assistance. Ça, il n'y a pas de doute. Fonchita avec Partenariat en tant que partenaire. Et moi, ça fait dans plusieurs pays. Après le tsunami en Indonésie, le gouvernement indonésien, Chita, en tant que partenaire pour la communauté internationale, le premier bail m'a fait, c'est que je ne suis pas en train Le deuxième bail m'a fait, c'est que ce que je veux faire, c'est Pas autre chose. En 2004, je suis en Éthiopie, gouvernement éthiopien dit à la Banque mondiale que dans ces conditions, monsieur prend le pouvoir le faire. Donc, il y a moyen pour nous de renégocier avec nos partenaires et en tant que partenaire debout. Et ça, c'est un bagaille que nous avons fait et nous devons faire. Men nan la dezyenm chou, se ke tu a rezon. Haiti goun paket potensyel pou l tapap developpete. Nou pa mèm antre lan kesyon wesous naturel, mwen mèm tout donè ke mwesous sa, fèm kwe ke nou goun riches nan sou sol nou ki ankon ineksploate e ki kreyon potensyel. Dezyenm eleman nou gen, se pouè de 4 milyon da Haitien ki viv ta l etranje, ki transfer 2 milyar de dolar. Si nou kreye les instrument aproprye, nou gwo mwayen la vreman pou nan mobilize yon kapital enorme. Ape di ke Aisyen ka di, ou lye man met ti kob mwen la bank la prapotem 1% semen za ha, map metel nan proje d'infrastructure ki karakotem 6-7%. Non, potensiyel de kapital, de diaspora, fon ba neglijen. Et toasyenman, gen des opportunite d'investissement, tout ki ekstraordinier, men pou sa, fò kreye les sirkonstans ki pou rasyon. Se investissement son ak de foalye. Lon ek met kob li deyo, lon partenèr etranje louvri la karte du moun, li gen 10 milyon dolar pou l'investi, se pou man dete tout pou ki sa 10 millions de dollars ça. Donc, il faut raison. Et raison, faut il faut bien. bien. ça veut dire qu'il faut résoudre le problème de, 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 de cadastre. Il faut résoudre le problème de justice. Parce que l'un est dans un pays où il y a un conflit. Il faut le que qu'il est capable de gagner justice dans le cas de conflit. À, et que le café de justice, ça a confiance. Donc, on n'y pas de problème pour résoudre, pour rassurer investisseurs. E sou arive feba e sa yo, mwen mwen kweke, wap arive efektivman mobilize kapital ko bezwen pou kapap fe investisman masiv lan tout kalite proje nan infrastruktu e lan proje sosyal tou. La map gade, par exemple, Meksik yo kon program Tres Poruno, ki ekstraordiner. Gouvernman Meksiken li met 3 dolar pou chak gren dolar ou diaspora la Meksiken vwe la kaeli pou le petit eh, travo nan infrastruktu komunal. Kon proje kon sa ke nou men mwen ke traval avèk bank mondial, kote kwen ta pwes si nka kapitalize sou diaspora. Pou chak gren dolar, Vous voyez, nous, gouvernement matchli pour n'assurer que dans 10 départements, dans toutes section sections communales, y a des efforts qu'à fait Donc ça, c'est au niveau, si tu vois, décentralisé. Mais y a tout pour mobiliser capital massif, pour faire des bails et des investissements qui sont rentables, par exemple en énergie. Donc on a des pour créer un environnement, pour algénérer capital, pour être capable effectivement faire des travaux d'infrastructure. Genre, ça fait un peu partout. Donc, il faut arriver à concilier vraiment le tout. Et je dis à grand consensus, c'est pour ça. Tout le pays reconnaît que il faut que la communauté internationale ait un engagement de 0,7% dans le cadre de l'OMD. Je vous rappelle que tout le la atteint 0,7% de revenus que tu as investi en matière de développement. Deuxième barre encore fort, et c'est pour ça que fort ça est très intéressant distribution de ressources pas basée sur les besoins. Donc ça veut dire qu'il y a des pays qui recevront une partie énorme d'assistance externe alors que eux-mêmes ils ont des ressources naturelles donc sont basés sur une réalité géopolitique sur l'intérêt des bailleurs donc une bon discussion intéressante et importante qui pour gagne, nous gagne des pays émergents toujours dit, à cap le milieu et assistance là par exemple le Brésil par exemple la Russie je dis donc il y a des opportunités pour nous renégocier comment partenariat fait d'ailleurs nous pas impliquer l'assistance encore on a parlé de partenariat E paralèlman a sa, nou fèt pou lakay nou, kreye environman pou ke moun interese, mobilize kapital ke nou gen yon diaspora, mobilize kapital ke, ke nou gen intern an Haiti, pwoske gen de reform ke fòr fè, ki kapab pèmèt ou mobilize kapital. Mwen mkwèkè par exemple, politik fiskal nou jòdia, pa pèmèt pou mobilize eksedan de kapital ko gen an Haiti menm pou fè investisman. Ton kwen ekip bagay ke mkwèkò ka fè, entelijamman, ki pou fè kom sa avide. Fòr de tout konsidélasyon ke ou fè la, Est-ce que nous sommes capables de conclure que si pas un effort considérable qui fait et objectif que le gouvernement Martelly, la motte, la fixelle, qui sait faire mmh. d'Haïti un pays émergent en 2030 sont utopie Pourquoi que faut un bon effort collectif et cohérent donc, surtout, ce que je suis en train de dire, c'est que si on n'arrive pas à mobiliser tous les secteurs de la vie nationale, c'est peu probable qu'on va réaliser objectif ou qu'on va opérer quand coup ou va aller pour compte. Développement, c'est encore une fois, c'est pour bâtir que le palais national, on pays fait Donc, on voit que l'approche-là, la il faut élargir. fò yo rekonèt implikasyon e importans implikasyon tout sektè yo, fò yo bay tout sektè yo pòtunite pou yo kontribuyè, intèrè pou yo kontribuyè, e aèk sa pòswe kè jèm toujou di li paye yon fatalite haïsyen. Fò te oseman, pa goun problem kòk an Haïti, pou lekel pa deja gen de solisyon éprouvè. Met ti moun l'ékol, jò di a son baye nou konnou koman pou nou fè. Rèzoud problem saniter kè nou genye yo, santè kè nou genye yo, akse a lò potab, tout sa se de problem kè normalman kè rèzoud sou 27 500 km2 aèk 10 Le défi, c'est comment on peut mettre toutes composantes, incluant les partenaires internationaux, ensemble autour d'un programme cohérent, côté qu'on a les garanties qu'il faut, côté que l'État haïtien a la direction qu'il faut, et puis ensuite qui permettent de nous avancer, comme ça se fait un peu partout. Récemment, avant tout ça, on a gardé et avancé mon pays, comme Malawi a fait dans certains domaines. On trouvait que c'est extraordinaire parce qu'il y a arrivé. Ou nivou sektoriyel, met parteneryon ansamb, yo kapab fè des investisman kouerant, e ou wè vreman, map gade mwen, ou pe yi kan kou l'Ethiopi ki yon milyon de kilometre kare, preske 80 milyon de moun ki de kon gwo problem de mortalite maternel, yo fè des avansi ekstraordinel nan preske tout indikator santeyo. Se ki yon wè mou akab. Men sa, kouvenman e, 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 Ethiopiante fè, yo fon distribusyon de 35 mil gravayor komunote. Yo fè la vek koub yo, pos se komunote internasyonan jistèman pat vle paye saleryo, E an mwen de 5 an, yo gen de avanse tangible an mater de sante. Donk mwen mwen kwek kwe yo gen de ba rekonsal ke nou ka fe. E avek sa, nou ka anfen ba repopulasyon Haitien nan, soulajman ke lap tan nan. Men, mwen sè finalman, mwen ap di nou vremen m pata tan mwa wè nou la jodi an. Se ba de kontan m kontan. Mwen kek jou m ba chita vremen avek des interlokuteur Haitien nan pale de Haiti. E vremen m soute nou profite de, de jousa yo. Sim ka ide nou fwe de diskwisyon avèk de jan trèz intèresan, par exemple, mtap di talèr, ke sim ka pala avèk prezident Isoufou, se trèz intèresan, le prezident du Niger, moun ek kap ki vivoun kriz, ki jere kriz la, de manye asè orijinal, je kwa, gen lot interlokuteur la tout, don, premier-ministre Jamaiken nan klas, se nou kap ap fwanti pala avè li, poske mkwe ke li menm tout, li lan prosesus de chanjman Jamaik ki asè intèresan pou mta konè. Et donc, il y a plusieurs autres partenaires tout du secteur privé, clair, qui est très intéressant, que Sindéka va une chance de discuter avec eux. Et puis, on, on profite au maximum de ces deux jours, on peut s'en emprunter dans le pays, et puis on espère que nous-mêmes, tout nous allons jouer six petit parti Merci beaucoup vraiment d'être venu. Merci. Un pile pour le ministre nous Voilà, justement, merci un pile avec l'équipe radio TV Caribe à l'époque. Voilà, je ne connais pas les et et journalistes, je Mais naturellement, son, son interview qui date et plus de 10 ans. Et nous, je nous parce que nous sommes à la recherche de des data qui était extrêmement importantes sur Gary et pour nous garder qui, si par les monsieur, ils même nos data, si passer monsieur, rencontre monsieur, déclaration monsieur, par exemple, nous gagnons, le monsieur a pris investit dans le Parlement, et, et nous politique politiques générales, monsieur, non, au niveau du Sénat de la République, tout ça, nous avons tout ça, nous peut-être dans des peut autres émissions. Mais naturellement, nous avons dit que... Gari Koni, moins peut-être façon Monsieur M. Monsieur je ne suis pas capable de Et avec tout le monde qui rentré, il de résultat. Mais il faut que nous comprenne. Et Matéli, n'importe qui est capable de dire, Mathéli était élu démocratiquement, mais bien que c'est une méthode dans en place pour que l'Italie, ait l'élection en deuxième et deuxième tour avec et je suis capable de dire. Pardon. Madame Aniga, parce que vous avez retiré Judith Célestin, eh bien, et... Matérielité lui quand même parce que peut plaire des votes massivement et puis il vient choisir Garikoni Garikoni en octobre nous connaissons de façon que nous tournons au petit coup de ailes et vont regarder qu'on voler mais c'est même négus encore quand je cherche Garikoni ça c'est dit clairement où t'es vomi par le coup de ailes ils vont valer s'y voler et ils vont valer Garikoni mais même barré pour moi parler de où par où il me connaît mais abdul nous c'est s'y voler comme bar yo s'y voler pas sérieux pas mon mounyo sérieux pour nous parler c'est que qui pas bon monde c'est yo qui pas sérieux et c'est yo pour de continuerment des peuple là filer manchete li nan non yo parce que c'est yo qui pas monde là c'est yo qui criminel là c'est yo naturellement qui assassent maintenant et moi dis nous clairement et que Gary Koni euh gagne des bagailles parce que il peut être et capoter oui il va être capable capable de capoter mais bon c'était potel il va comme ça pas rentrer là allez moi et en plus de ça, tout, si M. Tavelé ne pour payer, M. pété les plombs. M. t'a a dépassé chaque classe politique la nette sans qu'il ne batteille physiquement avec eux, il ne batteille directement avec eux. Indirectement, vous avez des actions au niveau gouvernement de vous poser, je si vous garantis garantis, le ça, si vous me souvenez, vous n'avez pas arrêter parce que le patron qui a supporté vous a paraître impuissant définitivement parce que vous avez de l'argent qui n'y a pas faire encore. Mais c'est même niveau corruption, hein

Qui a envie de, 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 de la la changer dans le pays et qui a posé des actions concrètes pour Haïti changer. koni. C'est de ça. Mais, il n'y a pas de Il pas de En avance, il y a un ambassadeur des États-Unis dans la pays d'Haïti qui fait une déclaration sur l'assassinat de l'Américain dans le pays d'Haïti. Monsieur intervenu dans Radio et Télémétropole avec Wendell Théodore Nexudès-Lakamou. Et naturellement, il y a que Monsieur dit qui est extrêmement important pour nous tenter. Je vais nous tenter en en ensemble en en avec Et si, parti ça dans l'intervention, on va s'adresser à en pile d'Haïti. Nous t'en avec un pile d'intérêt, tant pis D'abord, euh, permettez que je vous présente euh, mes sympathies suite à ce qui s'est passé euh, la semaine euh, dernière. Je veux faire allusion à l'assassinat des Américains euh, en, en pleine. Vous avez appris cette nouvelle très tard euh, vendredi dernier oui, c'est quelque chose de très triste pour la communauté américaine. Je dois noter que, soit de gouvernement, soit de société civile, il y avait plusieurs expressions de condolences de, de peuple haïtien. Mais vraiment, c'est les gens américains qui ont dédié leur vie pour les Haïtiens, pour aider les Haïtiens. C'est triste que c'est les membres de la qui ont décidé de tuer ces gens qui travaillent. Pour les Haïtiens. Je suis sûr, nous avons reçu les garanties du gouvernement qu'il y aura de justice. Mon gagnant allait ou bien en prison ou bien dans pays sans chapeau. Au moment de l'événement, est-ce que personne n'a appelé l'ambassade à l'aide J'ai ça encore. Très important, ambassade pour peuple D'abord, euh, permettez que je vous présente euh, mes sympathies suite à ce qui s'est passé euh, la semaine euh, dernière. Je veux faire allusion à l'assassinat des Américains euh, en, en pleine. Vous avez appris cette nouvelle très tard euh, vendredi dernier Oui, c'est quelque chose de très triste pour la communauté américaine. Je dois noter que soit de gouvernement, soit de la société civile, il y avait. Plusieurs expressions de condolence du peuple haïtien. Mais vraiment, c'est les gens américains qui ont dédié leur vie pour les Haïtiens, pour aider les Haïtiens. C'est triste que c'est les membres de la gang qui ont décidé de tuer ces gens qui travaillent pour les Haïtiens. Euh, je suis sûr, et nous avons reçu les garanties du gouvernement qu'il y aura de justice. Euh, mon allait ou bien ou, ou, dans la prison ou bien dans pays sans chapeau. Très mm. bien. Et il dit que il recevoir des garanties du bon côté gouvernement et pays, la CAILI, que nous présentons dans le pays d'Haïti, et gouvernement américain, et que il une et que la famille victime ou bien victime à vie de justice, c'est soit que Gang Yo aille en bataille ou bien Yo aille en prison. Ok C'est bon de dire un créole, c'est soit Yo aille en prison ou bien en bataille. Mais nous ne sommes pas prisonniers dans le pays, il a toute prison écrasée et nous n'avons pas besoin de prison. Pêpla li, pêpla li pêpla celli, pêpla nous n'avons pas besoin de prison. Et chaque sa que prend. si nous nous pas pas avoir la bataille, nous mettons le peuple ali, peuple ali, peuple ali même, quand nous ne pouvons pas peuple là tout en pile. Et n'importe ça nous prend. Si nous perdons tout, nous ne pouvons pas peuple ali. Et le peuple lui-même, nous commençons à dire le peuple cannibale le peuple a tout fait un mouvement cannibale, net. Après, vous ne pouvez pas dire le cannibal encore parce que vous ne pas un mouvement cannibale encore. Parce que vous ne pas faire assassin criminel pour l'exécuter. Vous comprenez Nous continue à étendre l'ambassadeur américain, c'est très intéressant, le peuple haïtien. Au moment de l'événement, est-ce que personne n'a appelé l'ambassade à l'aide C'est le fait et c'est la raison pour laquelle nous avons cette annonce pour dire aux citoyens américains de quitter. Euh, oui, il n'y avait pas de moyens ni du gouvernement ni de l'ambassade d'aider au moment. Euh, nous sommes engagés maintenant avec euh, les familles pour le retour des, des restes humains de, de ces deux jeunes. Mais comment est-ce pour souligner, Monsieur Fenn rappelait ça, Monsieur rappeler ça, à l'ambassadeur rappelait ça, pardon. Et j'ai dit, tu fais notre sortie, tu dis clairement pour que tout ressortissant américain ait créé condition même pour que tout ressortissant américain quitte le pays d'Haïti. te tu empiler fort vraiment eh? Ça veut dire que ça qui t'était pour que ça fait rester même. Et tu garantis pas faire rien. Pas oublier. Gang yo eh? mosaïque. Ou pas en couleur au -ok caserne. Gang yo mélange de toute qualité couleurs peinture. Qui même sous le bleu devant mais soit le fond Ou ka jen noa, ou ka jen rouge, ou ka jen krem, ou ka jen gri, ou ka jen maron, ou ka jen joun, ba diwa yon koule. Yo pa gen etadam. Ne kap kidnap, ne kap truyemoun, pa gen etadam. Ok? Pa vin gen garanti sou gang. Gang se sel garanti kou de gen lotou yel. Li pa nan zon nan kou ou ekzekitel, ou gen garanti ou kapap fonksyoni. Se, se kontak gang nou gen, monshem pa bonman ti ba la ka grav. Eske se kontak gang yo, ki bla ou te gen? C'est des questions à qu poser. Cette couple, jeune couple de missionnaires, euh, avec l'assistance même des, des entreprises haïtiennes, et du gouvernement haïtien. Mais c'est le fait que, pour le moment, il n'y a pas de moyens du côté du de gouvernement ni du de gouvernement, de gouvernement américain d'aider dans ce type de situation. C'est la raison pour laquelle nous voyons cette mission multidisciplinaire. Cette euh, mission d'appui de, de sécurité, c'est mmh. essentiel pour renforcer la capacité du gouvernement haïtien de répondre à ce type de, de situation. Mmh. Euh, il y a l'ambassadeur, euh, alors le sénateur républicain du Missouri, John Hawley, qui prétend que l'ambassade américaine en Haïti aurait refusé d'apporter de l'aide aux couple qui étaient en danger. Euh, c'est toujours une question de, de notre capacité. Euh, C'était dans une zone contrôlée par les gangs. Alors, notre capacité, nous n'avons pas une armée ici, nous n'avons pas des forces spéciales de plus... ici. Euh, il n'y avait pas de, de cette capacité et même la capacité de police nationale dans cette région s'est limitée. Mm -hmm. Alors, c'est triste, mais c'est la réalité que dans la situation actuelle, il n'y a pas assez d'effectifs de police nationale, des forces de sécurité, de réagir en tous les points de, de Port-au-Prince. Même euh, la force euh, qui s'appelle FAST n'avait bon, pas non. la capacité euh, qu'il fallait. Au, pour intervenir. de l'ambassade, non. Il y a des, des gens qui sont là pour protéger l'ambassade comme telle. Mais nous n'avons pas de, de capacité de faire des missions hors de l'ambassade. Mais oh, même, même et si, on, et si on reçoit, et si on est demandé, ou encore si le gouvernement haïtien vous demande d'intervenir, si vous avez l'autorisation, vous n'allez pas pouvoir... Euh... Nous n'avons pas de capacité. Oh, OK. Et euh, maintenant, parlons euh, autre chose. Nous allons parler euh, de cette note de l'ambassade américaine mmh. euh, relative euh, euh, au choix d'un premier ministre. Ouais. Vous avez dit euh, dans la note, monsieur l'ambassadeur, que le prochain premier ministre doit être quelqu'un ayant la capacité euh, technique, ça doit soit mmh. se faire en toute transparence. Et quand vous, vous, vous dites, dans, toujours dans la note, que vous êtes impatient, Qu'est-ce que vous voulez dire? La première fois, c'est de noter. Alors, j'ai commencé en disant, en saluer le gouvernement de transition, euh, le conseil de transition présidentielle, pour le fait que, même après un mois, maintenant, ils sont en train de faire des grandes décisions. Ils sont en train de choisir un premier ministre. Après, nous avons la, la priorité de choisir le chef du comité électoral euh, provisoire. Je pense que, bon, et même le gouvernement a dit que pendant le week-end, il y aura une décision. C'est déjà fin de week-end et sans, sans décision. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a assez de priorités pour le gouvernement et pour le peuple haïtien. Par le fait de comment était construit ce conseil avec sept membres, ça veut dire que les décisions, y prennent du temps. Et nous pouvons comprendre. Parce que toutes les questions doivent être décidées par au minimum cinq membres de sept. De et ça prend de, de temps. Mais je pense que pour avancer, pour avancer dans les autres priorités, il faut avoir une première ministre. L'essentiel, je sais qu'ils ont commencé avec presque 200, peut-être plus que 200 euh, candidats. Et parmi 200, évidemment, il faut avoir une vingtaine qui a déjà une histoire et les. En, en résumé assez technique pour, pour montrer qu'ils ont la capacité de gérer un gouvernement. Euh, nous espérons que la décision soit faite dans le Conseil, sans l'influence des autres, particulièrement sans l'influence des euh, gens qui veulent influer les décisions. Chaque membre, ils ont une certaine responsabilité. Mmh. Même si la communauté internationale euh, a dit qu'il n'y a pas de transition dans une transition, mmh. mais il paraît que les États-Unis misent beaucoup sur euh, cette transition. Oui, vous êtes déjà dans une transition 2.0, euh, dans le sens il y a une deuxième transition. Mmh. Mais nous espérons que maintenant, avec ce modèle, il y a toutes les tendances, ou la plupart des, des tendances. C'est difficile d'imaginer qu'un seul parti peut contrôler le processus. Et ça donne plus de chances d'avoir un gouvernement qui sait neutre, d'avoir des élections qui sont crédibles, parce que toutes les grandes décisions doivent être faites par débat, par décision commune. Euh, C'est pas facile, mais pour moi, alors, si vous avez une présidente avec cette tête... Tous les sept têtes doivent avoir la capacité de parler. Et si on coupe trois têtes, toutes les têtes vont mourir. Alors c'est nécessaire de maintenir cette unité qui ne s'efface pas sans. Mais je pense que c'est un modèle, un modèle bien en solution haïtienne pour la situation haïtienne, pour assurer qu'il y aura au minimum un consensus, un, un grand consensus sur toutes les grandes questions euh, qui sont nécessaires pour cette transition. Est-ce que les États-Unis soutiennent un candidat au poste de Premier ministre Absolument. Euh, c'est vraiment, c'est pour le système de, de faire le choix. Nous avons parlé d'un profil. Alors, quelqu'un qui a une capacité technique, qui a la capacité de gérer une situation assez difficile, quelqu'un qui n'a pas une grande... Connexion avec une partie ou une coalition ou une autre qui mmh. peut gérer le gouvernement dans un sens neutre pour mmh. tous les défis qui sont devant ce gouvernement. Je ne vous apprends rien, Monsieur l'Ambassadeur. Il y a des Haïtiens qui pensent que vous supportez un candidat et vous diriez quoi à ces Haïtiens? Je pense qu'il y, y aura toujours cette tendance que les États-Unis, c'est en dehors de, de chaque décision. Mais vraiment, nous sommes ici en faveur du système, en faveur d'un processus bien haïtien. C'est vrai que nous avons aidé avec le processus de cette transition. Pendant les négociations avec CARICOM, avec le départ de, de l'ancien Premier ministre, nous étions toujours en contact. C'était toujours, toujours dans le sens d'aider les partis haïtiens de trouver les solutions entre eux. Ce n'est pas d'imposer de, de mm -hmm. en décision, en solution pour les haïtiens. Vous parlez d'Ariel Henry, l'ancien Premier oui, ministre. Oui. Mais vous savez, Monsieur l'Ambassadeur, les haïtiens ne savent pas jusque-là ce qui s'est passé exactement. L'ancien Premier ministre se rendait en République dominicaine. Il a dû rebourser chemin et finalement, ouais. il est en, en Californie. Ouais. Mais on n'a pas de détails sur ce qui s'est passé. On, on ne sait pas non plus à quel niveau vous êtes, vous, vous êtes impliqué dans... Votre pays oui, Parce qu'à un moment donné, c'était clair qu'il n'y avait pas de possibilité de retourner. Il y avait cette nécessité pour les Haïtiens de trouver un autre modèle. Et nous étions là, avec les autres partenaires, avec les pays des Caraïbes, d'aider de les Haïtiens à trouver une solution. Je vois qu'il y, y a toujours il y a un certain manque des informations de côté d'Haïtiens. Euh, même dans la situation actuelle, nous espérons dans les semaines prochaines, le Conseil présidentiel aura une porte-parole, parce que même ces jours, ce pas clair quelles sont les décisions du Conseil, quelles sont les idées de chaque membre du Conseil. Et évidemment, chaque membre, ils ont le droit de parler, de parler de leurs entrées, mais il faut avoir aussi un système pour être sûr que. Ici, c'est une décision de conseil qu'on conseil mm -hmm. euh, et de parler avec le, la population et c'est aussi avec les forces, les, les, les leaders de sécurité, les membres du gouvernement. Quand il y a un nouveau premier ministre, je pense que cette question de dialogue avec la population, c'est nécessaire. S'il y aura des élections d'ici euh, 20 mois, nous espérons qu'il y aura plus que 20 de participants Et mmh. pour participer, les Issiens doivent avoir une certaine confiance du système, en confiance dans le gouvernement. – Est-ce que les États-Unis sont seulement engagés dans la logistique euh, de la mission euh, multinationale? – Il y a plusieurs autres pays qui sont déjà engagés. Bien sûr, il y a les pays qui ont déjà fait l'offre. Alors c'est... C'est Kenya, c'est Jamaïque, Belize, autres pays qui ont déjà fait une décision de participer. Ce que nous avons fait est de prendre charge de création de bases logistiques. Et ça, s'est fini maintenant à, à l'aéroport. Euh, nous y étions aussi très actifs avec la réouverture de l'eau. pourquoi le... on remet à trois semaines le déploiement de la force si la base est déjà prête Bon, il y avait cette délégation du gouvernement du Kenya qui était ici, même pendant la visite de, de leur président à Washington. Alors, pour les Kenyans, c'était de voir est-ce que vraiment il y a des logistiques en place. Il reste toujours, alors, avant le déploiement de 2500, nous sommes en train de parler avec d'autres pays, de trouver des équipements qui sont nécessaires. Euh, nous espérons et c'est prévu que maintenant il y aura le déploiement des premiers Kenyans euh, avec les ressources qui sont présentes maintenant. Et je pense maintenant c'est plus une question d'organiser l'aviation et, et tout ça. Mais pour le long terme, il faut avoir plus des équipements. Nous sommes en train d'identifier dans les ressources américaines, mais parler avec plusieurs autres pays, de donner les fonds aux, aux fonds communes de l'ONU ou de donner des équipements, puisque euh, tous les pays qui veulent participer peuvent avoir des équipements nécessaires. Mm. Au même temps, il y a une deuxième priorité, c'est toujours de renforcer la capacité de police nationale. Vous avez vu, on a déjà donné dans, pendant les dernières semaines des blindés pour la police nationale. Euh, il y a autre équipement, parce que le président Biden a autorisé les ressources du gouvernement américain qui sont en surplus pour aider soit la police, même en certaines conditions, l'armée nationale, aussi avec euh, le MSS. Mmh. Donc maintenant, les États-Unis euh, reconnaissent l'existence de l'armée d'Haïti. Bon, c'était toujours reconnu, c'est toujours, mais il y a des limites dans notre législation. Alors, selon notre congrès, nous sommes empêchés de donner assistance euh, des armes aux la police nationale. C'est en débat parce que nous voyons, par exemple, maintenant, c'est le garde national de l'armée nationale qui s'est en charge de sécurité de l'aéroport. Ils ont renforcé la sécurité des ports. Nous savons qu'ils sont là, bien sûr. Mais pour le moment, nous sommes très limités en, avec notre capacité. Il y a des autres pays. Je sais que le Mexique, par exemple, a une forte collaboration avec l'armée nationale, qui nous n'avons pas de problème avec le fait qu'il y a des autres pays qui font une assistance directe à l'armée nationale. La réunion qui a eu lieu euh, la semaine dernière entre le président Biden et le président Ruto témoigne en quelque sorte, si besoin était, de l'engagement de votre pays pour Haïti. Mais les gens continuent à se poser certaines questions, à savoir Haïti est le voisin immédiat des États-Unis. On est seulement euh, à environ deux heures de, de, de la Floride. Pourquoi les États-Unis euh, confient cette mission à un autre pays. Pourquoi est-ce que les États-Unis n'acceptent pas d'envoyer des, des, des soldats comme c'était le cas dans le passé? Oui. Et même mon président a parlé sur le sujet. Alors, avec notre histoire, avec Haïti, avec le moment qu'il y avait deux fois qu'il y avait des grandes forces américaines, ça a toujours créé des mm -hmm. conflits et des problèmes avec le, la communauté haïtienne. Le présence des troupes américaines comme telles, ça peut créer des, des difficultés en termes de notre, notre relation. On voit particulièrement aux États-Unis, il y a des protestes même avec cette mission internationale. Ils parle de, de l'invasion de, de votre pays. Alors pour le président, euh, envoyer les troupes à, américaines, c'était de crier, pas de crier calme, mais de crier de, de plus de crise. Alors il a fait la décision de utiliser, ou de travailler avec notre, nos alliés dans les autres pays. Euh, dans le cas de Kenya, Kenya a une grande expérience et nous avons travaillé avec eux depuis longtemps, particulièrement en Somalie. Ils sont très expérimentés en situation de, de crise. Euh, ils ont comporté et nous avons fait une forte formation de leur euh, police pour être prêts pour cette mission. Et il y a des autres, il y a des pays de, de Caraïbes, il y a des autres pays d'Amérique la, latine qui sont prêts de participer dans cette opération. Alors c'est avec notre assistance euh, financière, avec les équipements, nous espérons avec l'assistance des autres grands bailleurs de fonds que nous pouvons euh, aider cette mission. Mais dans ce cas, alors c'est important de savoir que bon, le MSS, ce n'est pas les États-Unis. Uh, au moment que Kenya arrive, ils auront leur propre uh, porte-parole de parler. Et ils ont déjà commencé les contacts avec le gouvernement haïtien parce que le motif principal est d'aider les Haïtiens à de créer des systèmes de sécurité. Mm -hmm. Vous avez déjà l'histoire avec les opérations de l'ONU avec 20 000 soldats. Alors, ça, c'était pour remplacer les systèmes de sécurité. Cette mission, c'est de, de, de donner assistance de création des systèmes plus forts haïtiens. Mmh. Autant, que des autant que des Haïtiens euh, souhaitent euh, que, les, que les Américains aident le pays à se débarrasser des, des bandits, autant qu'il qu y a aussi des Haïtiens qui se demandent pourquoi est-ce que les États-Unis font autant d'investissements en Ukraine qui est si loin et ne décide pas de donner euh, autant à Haïti. Bon, dans, le cas, bon, dans le cas d'Ukraine, de, de c'était une invasion sans raison par les Russes contre l'Ukraine. Ça a posé un risque de nos responsabilités comme membres de l'OTAN. Alors ça, c'était vraiment en crise contre le, le système international le système des règles, le système de droit international. Et ça pose un, un risque directement aux entrées stratégiques des États-Unis. Pour Haïti, c'est en bon, continuation d'une crise. Il y avait une crise, je suis arrivé il y a 30 ans, quand mon premier poste, c'était trois mois avant le premier coup d'État contre Aristide. Il y avait cette longue histoire d'instabilité dans votre pays. C'est vrai que bon, Haïti c'est proche de, des États-Unis en termes de, de pays de, de Caraïbes, et de Méridique du Sud. C'est le plus pauvre. Alors nous avons assez d'entrées de voies. Haïti stable, solide, prospère parce que ça donne la possibilité de travailler vers un pays de Éviter les risques d'instabilité dans toute la région. Mm. Et hors d'assistance, de, alors depuis longtemps, nous avons aidé la police nationale, mais aussi le système de justice. Et nous savons que, aussi en termes d'assistance humanitaire, c'est principalement les États-Unis. La plupart des fonds de l'ONU c'est des États-Unis. Alors nous sommes actifs dans presque tous les domaines en termes d'assistance à, à Haïti. Mmh. Mais de, sur cette question de sécurité, c'est une combinaison de pays qui sont prêts à aider Haïti mmh. à trouver un peu de, de paix. Après la crise, Monsieur l'ambassadeur, après la crise sécuritaire, mmh. est-ce ouais. que votre pays entend euh, accompagner Haïti à travers un plan, par exemple Je pense que là, c'est plus c est, c est une priorité pour le gouvernement. Mais nous sommes très conscients et je suis en contact avec les le système de l'ONU et avec les autres pays. Nous voyons tous, nous espérons avec le déploiement de MSS, il y aura plus de capacités de police nationale d'assurer la sécurité dans toutes les régions de, de Port-au-Prince et le reste du pays. Mais il faut qu'après qu'il y a sécurité, qu'il y ait en présence des services de gouvernement, soit d'éducation, de, de santé, de, de logistique. Alors, je pense que pour les États-Unis et pour les autres, il y aura une campagne de travailler avec les organes de gouvernement pour être présents dans tous ces banlieues qui sont maintenant sous contrôle des gangs. Euh, parce que pour la population, il faut avoir un bénéfice de cette sécurité. Et mm -hmm. ce bénéfice, c'est de voir les services de gouvernement. Mm -hmm. Alors, il y aura des, des programmes. Mm -hmm. Il y a déjà dans notre congrès, il y a des propositions. Si dans notre situation budgétaire, si ça peut être euh, une réalité, mais au minimum, avec nos ressources qui sont assez grandes, c'est de travailler avec le gouvernement puisque la population peut voir le retour des services de base. Donc là, vous parlez d'opportunités euh, économiques pour euh, les Haïtiens. Oui. Euh, Bon, le plus est d'avoir un peu de stabilité, que les enfants peuvent aller à l'école, qu'ils peuvent avoir des services de santé, mais en même temps, c'est important de penser d'avoir certaines opportunités pour la jeunesse. Mmh. Je vois maintenant dans certaines régions, si vous êtes un jeune de 16 ans, un, un jeune Haïtien, dans plusieurs cas, être membre de gang, c'est une option. C'est une option qu'il faut avoir des autres options. Il faut avoir l'option d'emploi, d'éducation, d'une vie hors de, de criminalité. Et je pense que c'est nécessaire parce que sinon, les membres de gang vont va, va être criminels indépendants. Et, il faut trouver des, des options pour la jeunesse de pas entrer dans les gangs. Euh, la semaine dernière, il y a des, des congressistes américains qui ont introduit euh, un plan portant sur plusieurs euh, euh, milliards, Billard, de, oui. milliards de, de, de dollars en faveur d'Haïti. Est-ce que vous pensez qu'il euh, qu y ait de la chance pour que la démarche de ces parlementaires aboutisse? Dans les situations de notre congrès avant nos élections, je ne sais pas s'il y a des conditions pour avoir des grands projets, mais c'est important. Et cette congressiste, alors c'est le sous-membre du congrès qui est en origine haïtien. Il y a plusieurs haïtiens qui prennent des positions élues dans les gouvernements des États ou des, des communautés. Alors c'est une présence assez important. Et même en termes d'assistance pour Haïti, avant mon arrivée, parce que tous les ambassadeurs doivent passer par le Sénat, et j'ai reçu les messages d'appui, pas seulement des démocrates, mais aussi des républicains. Alors, il y a assez d'Américains de deux côtés qui sont préoccupés avec la situation en Haïti. Euh, le fait qu'il y ait cette mission, c'est à cause d'assistance de, mmh. des membres de côté, deux de côtés. Mmh. Est-il vrai, Monsieur l'Ambassadeur, que le non-déploiement de soldats américains en Haïti a rapport euh, aux élections qui vont se dérouler dans votre pays pas directement. Alors, quand notre président a dit qu'il était plus préoccupé avec la réaction des Haïtiens de voir des troupes américaines sur le terrain américain, mais c'est vrai qu'il y a des, des débats. Et je sais qu'il y a certains Américains qui veulent vraiment avoir une présence des troupes américaines. Et il y a des autres qui voient qu'ils nous sont engagés dans plusieurs autres pays et ne veut pas être engagés dans un autre pays étranger. Alors, je doute que ça sera une point sur les débats présidentiels, mais le contexte et le contexte de notre préoccupation avec euh, euh, la migration euh, non officielle, c'est toujours l'un des préoccupations, particulièrement pour l'État de Floride. Mais il y avait ces programmes de président Biden qui a aidé plusieurs d'aller aux États-Unis dans les, mmh. les conditions qui sont légales, qui sont euh, humaines. À, à quand la reprise des services euh, consulaires fermés? Pour le moment, pour, parce que nous sommes dans les mêmes conditions qu'en plusieurs entreprises. Euh, généralement, il faut avoir 120 Américains dans mon ambassade hors de, de personnel de sécurité. Maintenant, nous, je suis à 35. Alors, ça veut dire que maintenant, nous n'avons pas la capacité hors d'assistance pour les Américains de donner les services consulaires. Notre plan avec l'opportunité, nous voyons l'opportunité avec l'arrivée de MSS et avec ce gouvernement de transition, et de concentrer la première priorité sera d'attaquer le délai en termes de visas des immigrants. Parce qu'il y a les Haïtiens qui ont certains droits d'aller aux États-Unis, de se rejoindre avec leur famille, citoyens américains aux États-Unis. Pour les visas non-immigrants, ça prendra du temps parce que c'est toujours parmi les priorités consulaires. Le Première, c'est Américain. Le deuxième, c'est Immigrant. Et seulement, c'est le troisième, c'est les visas non-immigrants. Et pour le moment, je dois noter dans les conditions actuelles, je ne peux pas imaginer d'amender d'avoir 500 000 Haïtiens devant l'ambassade s'il n'y a pas des conditions de sécurité. Et c'est mmh. là que le gouvernement haïtien, avec l'assistante MSS, doit assurer les normes de sécurité. Je sais que vous devez partir euh, tout de suite, Monsieur l'Ambassadeur. Ouais. Euh, Est-ce que les États-Unis mettent encore à prix la tête d'un chef de gang qui ne se trouve pas trop loin euh, de l'ambassade? Bon, il y a deux leaders de gangs qui sont dans la liste de FBI. Alors, il y a déjà des. Et comment vous nous expliquez qu est, euh, que ce chef de gang a reçu des, des journalistes américains oui. euh, alors que l'ambassade n'est pas trop loin de, de sa résidence Comment vous nous expliquez ça Bon, nous sommes en faveur d'une presse libre. Alors, vous aussi avez le droit de parler avec les leaders des gangs. Nous espérons que la presse américaine soit bien informée. Euh, il y avait ces, on a vu avec CNN, avec NPR, il fait ces ces interviews. C'est important aussi que les autres côtés, de, soit de gouvernement, de société civile, même le presse haïtien a l'option de parler de réalité, parce que nous savons que les leaders de gang ils veulent montrer quand ils sont Robin Hood, ils sont en faveur de population. Mm -hmm. Jusque maintenant, je n'ai jamais trouvé un seul haïtien qui a ces sentiments concernant les gangs. Ils il voient que c'est les gangs qui attaquent, qui tuent, qui violent. Alors vraiment, ces gangs sont pas en faveur de la population. Le presse américain ils ont le droit de parler avec n'importe qui, mais j'espère qu'il y aura des... Les les vraies opinions Haïtiens euh, avec notre presse aussi. Mm. Voilà, justement, c'est l'ambassadeur américain dans le pays d'Haïti. Bon, naturellement, tout le monde connaît que, que Jean-Moun doué ambassade, et, et ambassadeur l'ambassadeur dans le pays d'Haïti, ça va arriver pour entrer dans le pays, mais il faut qu'on gagne l'aide de créer un sou, tel Bon, c'est pas être chargé. De toute façon, parce que nous avons avancé, nous avons continué à peser et soit accélérateur jante depuis jenne jenne nous peser. Bataille batal la continue et nous te content ensemble avec ou passé petit temps ça n'a tourné pour deuxième édition il faut bientôt pendant journée que bien là moi remen un pile que bon dieu bénisse chaque grand nous qui t'attendait et garde l'émission merci en pile